déçu d'avoir perdu. Pas déçu de la prestation, simplement déçu du résultat. Résumé du match, dans nos temps forts, on doit capitaliser. Sur la première mi-temps, on doit passer devant le score. Devoir investir déçu après avoir perdu 1-0 au parc, pour un promu, c'est plutôt des bons signes. C'est pas compliqué, ma belle victoire, parce que nous avons fait 3 points. La première mi-temps n'était pas bon, la deuxième mi-temps était une bonne deuxième mi-temps. Nous avons eu beaucoup d'opportunités. Nous avons pris 2 poteaux. Je pense que nous avons mérité de gagner. Vu la physionomie du match, on ne méritait pas de perdre. Quoi. Au moins, on pouvait prendre un point. Ça s'est joué sur l'efficacité, on va dire. On va dire qu'il y a eu une mi-temps, une mi-temps. Ils n'ont pas été plus dangereux que nous, mais bon, eux, ils ont été efficaces et ils prennent les 3 points. On a fait notre plus grand match, mais encore une fois, ce qu'il fallait, c'est repartir sur une victoire. Et aujourd'hui, je pense que moi, c'est l'une des meilleures équipes que j'ai vues venir au parc. Je pense que même si c'est un promu qui vient d'arriver, ils ont démontré tout simplement un beau jeu, une équipe qui était joueuse et qui savait bien défendre aussi, tout simplement, avec des bonnes individualités. Questions? On a un entame de deuxième mi-temps un peu compliqué, nouveau. Menez qui nous fait mal par son mouvement et par sa vision du jeu et ses ballons en profondeur. Sur le coup, c'est un peu bête de perdre ce ballon et de concéder ce but-là parce que c'était largement évitable. Je sais pas si ce soir on a vu le vrai Zlatan parce que je sais pas s'il s'est économisé pour la Ligue des Champions ou pas. Après, ça reste un grand joueur quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que ce soir, il n'a pas été forcément très étincelant comme il a pu l'être auparavant. Après, c'était dit que c'était Reims, un petit promu, donc il fallait pas trop faire les efforts, je sais pas où s'économiser. Ils ont été parfaits, j'en suis très fier aujourd'hui.